dit normal que le groupe armé revendique le pouvoir parce que c'est l'objet du gouvernement. Mais aller amnistier le groupe armé, c'est créer un désespoir total en Haïti. Et c'est créer un mauvais précédent pour toute région. Si c'est jeudi, il y a même qui a force qui jette le gouvernement, malgré le parti politique ou pas de cas, citoyen ou pas de cas, personne moun mobilisation pas capable c'est au privé jetel si je dis nous amnistie yo nous dibitit nou al nan moi crois que amnistie c'est un autre élément qui pour montrer nous à l'aise avec impunité alors que nous doutons condamner impunité là nous parler de réinsertion sociale nous parler de un processus qui est dans un système de justice réinsertion sociale avec amnistie c'est dans nuit à la journée nan deux mal de toujours dit non pour choisir ça moins mal là. Ça capi grave, je dis, et malek capi grave sur tête peuple haïtien, c'est d'accord pour faire un conseil présidentiel avec 7 membres. Attendez. L'offre, nos transitions, je dis, il y a deux bagailles importantes pour faire. C'est la sécurité et les élections. L'offre, 7 membres qui sont dans un parti politique différent. Parti politique, moins tout. Qui n'a jamais entendu sur rien. Depuis au moins 5 ans. Et pour juste qu'on y ait, ce n'est pas eux qui ont c'est blanc qui dit mais ça pour faire. Et pour ramasser 7 personnes qui dit c'est le président pays. Pour faire ça, pour faire l'élection, chaque parti par eux. Pour qui est-ce que l'élection? Une élection neutre pour faire l'élection pour parti. Si c'était un mandat 5 ans, nous devons comprendre. Mais pour 18 mois ou bien 24 mois, c'est l'élection pour faire pour parti, vous avez pouvoir, vous avez toujours un pouvoir. Donc, la question de neutralité qui doit faire partie de l'élection, 7 membres ou bien 9 membres, pas pour venir avec neutralité. Et même si vous avez 30 mois de transition encore, le conseil a crasé pour faire transition quand faire l'élection. Parce que là, le conseil présidentiel ça est intéressé. Il n'est pas neutre, il n'est pas impartial. Et de fait, la Constitution, c'est les mêmes qui régit tout le monde pour nous fonctionner. Les constitutions qu'on dit dans Malais, même si ce n'est pas le cas exactement, les nous dans la situation nous est là, plutôt nous aller vers une institution paraît plus indépendante et autonome. D'où la Cour de cassation. Ce n'est pas tout juge dans la Cour de cassation qui parle. Sinon, nous la fermons déjà. Si nous pas d'accord avec la Cour de cassation, quand on a qui est capable de faire une transition avec une feuille de route, nous tous nous sommes levés ensemble, nous casser la Cour de cassation. Donc, moi, je pourrais parmi tous les juges, il y a une qui est moins mauvais. Que nous sommes capables de confier un pays pour réaliser l'élection dans le pays. C'est vrai, je dis, nous dans la mondialisation. Dans la mondialisation, ils permettent à ce que chaque pays voyage sur l'autre pays. Mais c'est vrai aussi, dans la mondialisation, toute entité protège l'autodétermination d'un peuple. Côté nous parler pays, c'est haïtien qui répond ça. Si sous principe-là, l'international l'a violé parce qu'il fait nos injonctions, il impose nos bagailles. Mais sous formule-là, encore, c'est plus grave. Choisir ces gens qui n'ont pas de politique, des fois, ça n'a pas même aucune relation avec masse population, avec majorité population. C'est eux-mêmes qui choisissent pour dicter, pour aller en transition, parce que c'est plonger Haïti dans une crise qui va finir. Si nous forcer pour nous mettre un conseil présidentiel, même si nous avons 24 mois avec la crise, pour nous faire transition après l'élection. Le conseil présidentiel n'a pas jamais fait l'élection. Parce que les gens qui l'ont donné n'ont pas en harmonie. Et sous base ça, nous n'avons pas besoin de continuer à perdre du temps en plus. Il faut que les gens qui prennent des décisions, les Haïtiens en premier, plus la communauté internationale, nous avons des raisons. C'est peut-être ça. Ça nous fait là, ce n'est pas une proposition que nous-mêmes nous signons. C'est une pétition que nous lançons. N'importe quel citoyen dans le pays qui estime ça bon pour Haïti, pour le signer. Et là, on signer, si jeudi, arrivé jusqu'à lundi, rien pas fait. Ils n'ont pas appliqué une autre formule de solution à la crise. Là. Lundi, si Dieu veut ça, signer à toute petite monde qui veut signer, nous avons communiqué avec toute ambassade, nous avons voulu avec CARICOM, nous avons voulu avec l'ambassade américaine, nous avons remettre le pouvoir des missionnaires pour nous connaître ça, c'est volonté majorité. Il est ouvert, donc on va gêner sur tous les réseaux sociaux avec email, ensemble avec numéro de téléphone pour nous joindre et nous avons fixé pour nous. On côté, les gens qui veulent signer, nous voulons passer pour signer pour nous capables de faire.